Bonjour les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Albena, j'ai créé Marre de la ménopause, un nouveau concept pour réunir les femmes qui ont marre de la ménopause justement comme moi et de tous ces symptômes qui nous tombent au-dessus à partir de 40, 45, 50 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important pour les femmes. Effectivement, c'est la fatigue. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu une période où je me suis sentie super, super fatiguée. Et puis, je ne dormais pas bien la nuit. Donc, j'ai cherché des solutions à ce problème, vraiment, parce que je me traînais toute la journée. Comme j'ai beaucoup, beaucoup de travail, vraiment, avoir de l'énergie, avoir du tonus, être bien en forme, pour moi, c'était vital. Et donc, j'y suis tombée sur quelque chose qui s'appelle les graines germées. C'est de cela que je vais vous parler, parce que les graines germées, c'est vraiment quelque chose de génial pour avoir beaucoup de énergie. Depuis quelques mois, je cultive justement dans ma cuisine, au bord de la fenêtre, des graines germées. Voilà, je vais vous montrer. Donc, c'est un petit bocal que j'ai acheté dans un magasin bio qui coûte 9 euros et que, dans lequel je mets des graines. Là, pour l'instant, j'expérimente le plus les alfalfa et la roquette bio. C'est un petit sachet. Vous voyez, là, je l'utilise, ça fait 2-3 mois et il n'est pas fini. Il coûte à peu près, je ne sais pas, 4 à 5 euros, quelque chose comme ça, que je mets dedans. Et au bout de 4 à 5 jours, donc, effectivement, ces graines deviennent comme ceci. Donc, il y a des petites feuilles qui commencent à se former, des tiges d'un vert très clair blanc. Et puis, comme je sais que demain, ça sera fini, aujourd'hui, je mangeais à peu près la moitié de cela, mais comme je sais que demain, c'est fini, donc j'anticipe et je mets dans un tout petit bocal à côté une cuillère à soupe avec la nouvelle récolte que je mettrai demain, donc celui-ci, parce que celui-ci, bon là, il faut qu'il reste 24 heures, en fait. Et donc, celui-ci, c'est après, en fait, il faut qu'il reste 4-5 jours. Il y a des petits trous ici par lesquels je mets de l'eau le matin et le soir. Donc, je secoue un petit peu. Comme ça, ils se démêlent parce que sinon, ils ont la mauvaise tendance de s'accrocher et de prendre racine carrément sur les petits trous, etc. Donc, il ne faut pas parce qu'après, c'est plus difficile à les enlever. Et voilà, donc 4-5 jours. Et puis, je recommence à chaque fois ces nouvelles récoltes. Et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai ces petites pousses, donc ces graines germées? Ben écoutez, là aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une salade avec des pousses, des jeunes pousses, dans lesquelles il y a surtout de l'épinard. L'épinard, vous savez, c'est excellent parce que c'est l'aliment number one, le premier dans lequel il y a de magnésium, qui est super important justement pour traiter la fatigue, l'insomnie, toutes ces choses-là. Puis, qu'est-ce que je mets dedans? Je mets quelque chose que, pareil, c'est une découverte récente. Ça s'appelle Gomasio. C'est sésame au sel. C'est-à-dire que, normalement, je ne selle pas beaucoup les choses. Je ne mets pas beaucoup de sel parce que le sel, c'est mauvais. Ça retient plus l'eau et, bon, c'est vraiment pas bon. Ça bouche les artères, etc. Donc, il y a un peu de sel ici. Il y a surtout de sésame qui est excellent aussi. Donc, je mélange ça avec huile vierge de colza. Pourquoi le colza? Parce que c'est colza, c'est quelque chose qui pousse en France, c'est local. Donc, c'est une huile qui est délicieuse. J'adore. Elle est très, très bonne. Et dans laquelle, en fait, dans cette salade, je mets encore des avocats. Voilà. Et puis, aloe vera. Je me suis prise une... patient pour l'aloe vera depuis pas très longtemps. Donc, je mets ça parce que l'aloe vera, c'est excellent pour la digestion. Alors, quelques mots rapidement sur les graines germées. Pourquoi c'est bon, justement? Pourquoi c'est anti-fatigue et anti-insomnie? Surtout, pourquoi ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie? Écoutez, c'est pas très compliqué. Parce que, imaginez, vous mangez quelque chose de vivant. Une graine, normalement, elle est censée de donner la vie d'une plante ou d'un arbre. Et vous pouvez imaginer tout ce qu'il y a dedans. Donc, les vitamines, des minéraux naturels, des oligo-éléments, les acides aminés, il y a tout. C'est vraiment un concentré, un condensé de vie. Ce n'est pas les biscuits, pas les biscottes, je ne sais plus quoi, industriels. C'est la vie à la naissance, à la, comment dire, pure. Donc, vous mangez quelque chose de vivant et qui regorge des bonnes choses.
Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les graines germées, effectivement, comme vous avez vu, il y a de la chlorophylle. Et il faut savoir que la chlorophylle contient beaucoup d'oxygène. Donc, vous pouvez imaginer l'oxygénation qu'ils apportent à notre corps. Donc, c'est un remède aussi anti-vieillissement, anti-radicaux. Et donc, ça donne de l'oxygène, ça donne davantage de l'énergie au corps. Une autre raison, c'est que c'est vraiment quelque chose de très facile à faire à la maison, ça coûte vraiment pas cher, c'est fun, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas énormément encore des gens, même si on a vaguement entendu parler qu'ils le font, et même si vous avez des invités, vous pouvez le faire. Quand on regarde les grands chefs souvent dans les bouquins, la télévision et puis dans les restaurants, vous voyez souvent ils mettent ces graines pour décorer les assiettes et c'est tout à fait sympa. Voilà le conseil du jour. Donc moi, si je serais à votre place, je m'achèterais tout de suite. D'ailleurs, je réfléchis à prendre encore un petit bocal comme ça parce qu'il y a plusieurs graines. Pour l'instant, j'ai expérimenté la roquette, donc et la alfalfa. Alfalfa, c'est la luzerne. Donc c'est des graines bio. Donc voilà, il n'y a pas d'OGM, des choses comme ça. Mais il y a d'autres graines, il y a les poireaux, il y a les lentilles. L'autre jour, j'ai essayé. Par contre, les graines de lin, ça va pas. Ça marche pas. Il faut essayer. Donc, avec des différentes graines pour voir qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, alfalfa et puis roquette bio, c'est tip top. Moi, ça me convient parfaitement. Écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Vous êtes toujours libre à vous abonner à la chaîne de Marc dans la ménopause. Comme ça, vous recevrez gracieusement des conseils, des astuces justement pour traiter les symptômes de la ménopause. Aujourd'hui, donc, c'était anti-fatigue. Et sachez que jusqu'à la fin du mois, vous pouvez avoir un tarif préférentiel avant le lancement officiel de mon programme anti-fatigue et anti-insomnie. Le lien est juste au-dessous de cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !